Les gars, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Nous arrivons enfin à la fin de l'enquête. Aujourd'hui nous sauvons le monde. Les femmes que j'aimais sont mortes parce que les pommes ont su que je les perçais à jour. Mais là les gars, aujourd'hui, c'est le combat final. Qu'est-ce que t'as dit ? Explique-moi pourquoi on n'a tout simplement pas continué en voiture. Pour être discret. Puis là, il y a de la boue partout, j'allais pas salir ma voiture. Non, mais t'as raison, autant dégueulasser nos fringues. Des Santiago à 150 euros. Bon, les gars, je suis perdu. Comment ça ? Je suis perdu. Je suis perdu. Et je croyais qu'il fallait garder le cap vers le nord. Oui, mais dit comme ça, ça fait pas un peu pirate ? On prendrait la rivière, là, dans un petit bateau. Eh bien, au moins, je me dégueulasserai pas mes Santiago. Bah non, on se fait attaquer par des pommes d'eau. Pommes d'eau. Pommes d'eau. Ah oui. Ça marche pas ta blague, mec, là. Attends, imagine, c'est des pommes dauphines. Des pommes dauphines. Non, c'est de la merde. Bon, pourquoi on est perdu? Mais car il fallait aller vers le nord. Et... normal, on va vers le nord alors qu'il y a un arbre, on le contourne. On va pas foncer dessus. T'es sérieux, mec? T'es sérieux? Ah, je me sens pas bien, là. Ah bah quand même. Non, je me sens vraiment pas bien. Mon allergie aux pommes. Ça y est, ça commence, les gars. Je vais mourir. T'es en train de me dire que l'allergie aux pommes, c'était pas une blague? Non, je vais vraiment mourir. On avait dit qu'on restait discret, putain. Je suis stressé. Mon tic, il revient, c'est normal. Et en quoi laisser un cadavre ici, c'est discret, hein? Hé, je suis pas encore mort. Tu te sens capable de continuer? Je serai un poids pour vous, les gars, je vous ralentirai. Continuez sans moi. Et dites à ma femme que... Oh non, pas ce refrain-là. Non mais ta gueule, putain! Tenez, cette arme pourra vous protéger. Mais je sais pas m'en servir, moi. Mais c'est simple, un fusil, c'est basique. T'as juste à appuyer sur la gâchette, là. Mais t'es complètement con ou quoi? Mais c'est lui qui m'a dit d'appuyer! C'est lui qui m'a dit faire ça! Mais... Pomme de renette, pomme d'api, d'api, d'api. T'es sérieux, mec? C'est le seul moyen de me calmer. Sois discret. Mais qu'est-ce que je peux faire pour rester discret? Tu pourrais commencer par enlever ton gilet jaune, par exemple. Ah oui. Oui, oui, je vais faire ça. C'est fini pour vous. Vous êtes encerclés. Vous allez mourir dans d'atroces souffrances. C'est moi qui ai gagné. Mon plan a fonctionné. J'ai tué toutes ces personnes. C'est moi qui ai tué mes deux copines. J'ai gagné. C'est moi le tueur compote. C'est moi. Le shérif allait pas tarder à trouver mon identité. Et ce putain de cantonnier arrivait pas à me lâcher. Et je me suis débarrassé d'eux. Je suis débarrassé de tout soupçon. J'ai tout inventé. J'ai trempé ces pommes dans de la drogue pour qu'ils hallucinent. J'ai inventé toute cette histoire de complot pour pouvoir les tuer. J'ai gagné. Ah.
Je le savais. Tu es mort devant mes yeux. Je suis pas allergique. Je suis pour une enquête. Je te suspecte depuis le début, connard. Moi aussi, je suis un menteur, putain. Je suis en pleine enquête, je te le rappelle. L'autre con t'a tiré dessus. Putain, mais ça tire à blanc. T'es con ou quoi? Hey! Mais ça veut dire que je suis pas mort en fait!